qui aurait bien besoin d'un tour à 0 points pour se remettre dans la course. Irénis d'une jument belge par Vigo d'Airsouy et Diamant de Simili. Thibaut, on connaissait cette jument montée par la fille de Stéphane Conter, Zoé, avec qui elle avait fait de très nombreux résultats, mais malheureusement, une chute l'a écarté des terrains de concours pour le moment. C'est donc l'Italien Lorenzo qui monte la jument. C'est une démonstration de force et de moyens. Cavalier italien très fin. Énormément de feeling. On va le dire. De nouveau un jeune cavalier de 30 ans, mais avec un palmarès derrière lui, c'est incroyable. Ils font partie avec Daniel Dauser, vraiment des deux cavaliers de tête chez Stefex. Capable de monter sur n'importe quel style de cheval. Ouais. Et surtout, un vrai vainqueur. Il a le nombre d'épreuves qu'il gagne par... Compétiteur hors norme. Hein. Ça dans le sang. Et super personne, quotidien à vivre. Toujours souriant, charmant. Magnifique, ouais. Quelle aisance. Ouais. Rien à dire. Mais le sans faute dont avait besoin l'Italie. Mais quel cheval, quel cavalier. C'est du beau sport, Thibaut. Cheval qui a quand même seulement 10 ans. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est indéniablement un cheval d'avenir d'après ce super tour. Nous arrivons à la dernière partie de cette première manche avec les 4e carrés de chaque équipe. Maintenant, nous allons voir vraiment quels sont les scores que les équipes vont garder en fin d'épreuve, enfin en fin de première manche. C'est un peu le dénouement de cette première manche et tout peut encore arriver à part pour la Hollande. C'est parti pour Peter DeVos avec cette jument.